Alors Mimi, on est où ici? Mais voilà, on est arrivé aux Assens. Et je crois que cette semaine des vidéos, le thème ce sera les claquettes, les tongs, les chaussures. On s'est fait une petite mission nettoyage de plastique. Non mais qu'est-ce qu'on dit, pourquoi on est ici? On l'a présente déjà dit. Notre semaine. On est ici pour apprendre, pour perfectionner nos connaissances en permaculture et pour devenir expert là-dedans, même si on ne le fera jamais vraiment parce qu'il y a toujours à apprendre. Et là pendant la pause, on s'est fait une petite mission, nettoyer un peu du plastique. On est surtout venu à la plage pour mettre les pieds dans l'eau. À la base. Et après, on a discuté avec une très gentille archéologue. Voilà, spécialiste dans les fonds marins. Voilà. Et donc... On a parlé un peu du plastique et comme c'était un fléau et qu'on n'avait rien à faire, on a ramassé. On n'était pas... On n'avait pas prévu de sac plastique parce qu'en général, on n'en a pas, mais on s'en est fabriqué avec la veste de Jackie. Merci à la veste Chirou Bike pour faire sac poubelle et ramasser les plastiques. Et moi, j'ai encore trouvé des claquettes. Voilà, donc Mimi, elle a trouvé une claquette. Voilà. Et une basket. Et une basket. Voilà, donc on les ramène à la maison. On passe de barefoot à avec chaussures. Merci les déchets qu'ils ont dans la nature. Je peux trouver des chaussures. Non, bon, bref, le plastique, c'est vraiment un fléau. Hein. Il y en a de partout, même dans un endroit comme ça. Allez, bisous, next. Alors Mimi, on va se faire une petite baignade aujourd'hui. Hein? Dans un hot spring. Je crois qu'ils ont fait chauffer les jacuzzi. Jacuzzi à bulles, bonne température, on peut y aller. Peut-être un peu chaud quand même. Un petit conseil pour ceux qui veulent marcher pieds nus et se mettre en connexion avec cette chère terre. Donc là, c'est le parfait entraînement, petits cailloux et compagnie. Donc le truc, c'est vraiment d'essayer de se détendre et d'étaler tout son pied par terre. Et en plus, le gros avantage, c'est qu'il y en a plein qui payent des séances de réflexologie. Et là, tous les cailloux, ils vont faire la même chose. Ils vont aller toucher tous les petits points d'acupuncture et vous détendre. Donc on se met comme ça. Voilà. On se détend bien et on avance tout doucement. Et le truc aussi, c'est que ça permet de reprendre un peu l'équilibre de son corps, parce qu'on est obligé de passer vraiment d'un pied sur l'autre tout doucement, parce que les cailloux sont bien pointus. Mais avec un peu de pratique, ça vient tout seul. Et voilà. Pieds nus. Bon, je vais pas encore courir les courses pieds nus, hein. Mais ça va déjà bien mieux qu'avant. Marcher barefoot, ça vous fait du bien. On va goûter l'eau Perrier naturelle. Alors ? Incroyable, du vrai Perrier, du Pellegrino. On est à Furnas, aux Açores, au milieu d'un cratère. Donc là, on voit juste derrière, il y a l'eau qui bout. Donc l'eau qui est vraiment, vraiment chaude. Et l'eau qui sort, qui est l'eau naturelle, elle est plein de fer, plein de minéraux, de bubules. Ouais. C'est incroyable. Et elle est vraiment, on dirait vraiment une eau Perrier. Et là, on voit vraiment que, ouais,
full of minerals. Bon, allez. Salut les copains. Donc là on est encore aux Açores. Magnifique temps. Bon, les Açores, ça va pas nous faire rêver longtemps. Ça fait 15 jours qu'on est ici en stage pour être certifié expert en permaculture. Et bon, le temps, c'est pas là où tu apprends à comment faire pousser dans un désert. Disons que les arbres sont, ont beaucoup d'eau, donc ils se font plaisir. Donc voilà. Donc bah voilà, c'est fait. Ouais. On a notre diplôme avec Elder Valent, donc un des barons de la permaculture, et ça c'est super cool. Permaculture et fruit forest. Exactement. Et là on a passé 15 jours magiques à apprendre plein de. Apprendre plein de techniques et de comment en fait comment la nature fonctionne. Et le truc super amusant, c'est que la conclusion, c'est que la nature, c'est exactement comme le corps humain, et il lui faut des minéraux comme nous. Donc ça, c'est fastoche, c'est notre domaine. Cool. Bon, là on vous fait voir un petit peu quelques endroits où on a étudié, travaillé, développé. Donc là c'est le mandala garden. En fait, c'est une technique pour mélanger plusieurs plantes, et parce que l'objectif, c'est de toujours recouvrir la terre et de toujours amener des minéraux. Donc on fait pousser, et tout ce qu'on n'a pas besoin, juste on coupe et on laisse, et ça fait du miam miam. Bon, génial. Et là on va vous montrer, alors ça, quand on arrive chez nous, parce que là on prend l'avion, dès qu'on arrive on va mettre en pratique. Et on a vu plein de techniques pour faire du fertilisant naturel, pour faire plein de choses, et donc là c'est le fertilisant de fruits. Donc ça, je peux pas l'ouvrir et le montrer, parce qu'à partir du moment que c'est une... On fera une petite vidéo pour que les gens voient bien comment on le construit. Donc c'est une réaction anaérobique. Et en fait, là, ça crée, on peut voir, là, c'est le... Du gaz. Et donc, là, ça, voilà. ça va être quelque chose qu'après, on met dans le jardin, et c'est une super powerful, je sais pas comment on dit. Pour avoir des gros fruits. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous montrer? On peut faire voir un petit tour juste du jardin, on va avancer là. Donc là, c'est tous les tests que les étudiants font. Donc il y a beaucoup de choses qui sont plantées un petit peu de partout. Là, il y a le début d'un hôtel à insectes. Exactement. Là, à côté, c'était des différents composts. Bon, c'est un petit peu. C'est un peu la. Comme la ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, beaucoup de monde qui teste. Et qui pleut. Et oui, il pleut. Donc là, il y a d'autres. Là, c'est d'autres projets. Ouais. Donc là on était dans un endroit vraiment très très humide, donc les plantes comme ça poussent vraiment bien. Bon, même celles-là, elles ont un petit peu trop d'eau. Il y avait beaucoup d'agrumes, et regardez, capucine, elle pousse comme ils disent, elle pousse like crazy. Donc voilà, plein de fleurs, beaucoup de fleurs. Et là, c'est tous les projets qu'on a fait pendant les semaines.
cacher des boules de riz au pied des arbres, pour déplacer le mycélium d'un arbre à un arbre. Enfin bref, c'était mais déplacer les micro-organismes pour vraiment que la vie soit partout. Et quand vous allez venir chez nous pour nos stages qu'on organise, bah, bien sûr, on va vous informer tout ça et ne soyez pas intrigués des arbres avec des greffes dans tous les sens, parce que là, on est devenus des experts en greffe. Ouais. Donc, on peut greffer un peu tout. Bon, bah, quand même, la news, c'est que bah, on a appris quelque chose de plus. Bon, on était déjà bien dedans depuis quelques années, mais là, bah, il nous a remis à la page. Ouais, Bah, maintenant, on va partager tout ça avec tous ceux qui viennent nous rencontrer sur Tenerife. Les stages sont lancés. Et l'autre news, c'est qu'on se lance dans notre diplôme au-dessus pour être master. Master permaculture. Donc ça, c'est pour 2 ans et on a 15 projets à mettre en place. Et voilà. Notre tuteur, ça sera Elder Valente. Donc on va faire tout ça à Tenerife. Et objectif, être professeur de permaculture et fruit forest. Impeccable. Vive les fruits, vive la nature et... Rendez-vous mars-avril, Tenerife, Raw Adventure, c'est parti. Et vive les Chirimoya. Ciao, ciao. Internationalement, avec Mr. Elder Valente.